Salut les amis, il est 6h30, c'est l'heure du JT. Voilà, donc là je viens d'enregistrer mon JT. Enfin même, combien même que j'aurais fait la veille, ça c'est mon problème. Voilà, donc il est 6h30, on prend son petit café, on regarde mon JT et on s'assoit tranquillement avec un petit café, un croissant, c'est sympa. On déguste tendrement, enfin bref. Voilà, donc là je vais vous parler de deux petits journaux. Le premier sujet va traiter sur ma maison. J'ai décidé de vous montrer une petite vue de ma maison. Bah, avant toute chose, ça c'est mon sponsoring musique, Club Dorothée. C'est super sympa. Enfin bref, voilà. Donc, revenons à nos moutons. Là, vous allez voir ma maison vue de haut. J'habite à la campagne. Donc, là, j'ai installé un petit drone pour vous montrer de profil ce que ça donne. Donc voilà, donc là, vous voyez mon petit drone, là, vous voyez ma maison sur 1, 2, 3 étages, pas 2. La petite antenne en haut, là, qui me sert à bien capter la fibre. Franchement, c'est super, j'habite à la campagne, je domine. Voilà, je domine x2. Et je, franchement, pour faire la qualité des vidéos, c'est juste le top, les amis, c'est juste le top. Voilà, donc le deuxième sujet, après... Je vais parler des youtubeurs qui réussissent plus ou moins sur YouTube et qui font de la merde. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après le deuxième sujet. Voilà. Donc là, on se retrouve avec les addicts du vide-grenier que vous voyez à ma droite. Oui, à ma droite, c'est bien ça. Donc à ma droite, les addicts du vide-grenier qui font essentiellement des rentrées de base en brocante, excusez-moi les copains, brocante, des achats cash, et maintenant ils se lancent dans le karaoké. Comme vous pouvez voir là, ils ont lancé un putain de délire sur les chants de Noël. Je vous laisse écouter, c'est plutôt voilà, c'est pas de mots pour vous le dire. En tout cas, ça marche, il y a des vues là-dessus. Voilà, les addicts du vide-grenier, des youtubeurs méconnus et qui font des trucs plutôt hors contexte. Voilà, ensuite, là, c'est l'autre Sony Adventure. Voilà, il sait pas quoi faire. Donc là, il est déguisé en licorne. En licorne, il a que ça à foutre, le gars. Vraiment, il a que ça à foutre, moi je vous le dis. Il fait des vidéos de merde. Franchement, mais moi, c'est des trucs comme à 6h30. C'est un signalé, les amis. Moi, je me décarcasse pour vous. Alors, franchement, voilà. C'est le minimum que vous pouvez faire, c'est mettre un like sur ma vidéo. Abonnez-vous, partagez. Voilà, donc ça, Sony Adventure, on s'en fout. Mais bon, hein, il est là. On va le laisser un peu tranquille. Voilà, bah, il fait des vidéos de merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, il a quand même des vues. Voilà, donc du coup... Là, on va passer à un autre qui s'appelle Alex Gaming. Alors lui, il fait des vidéos complètement tordues. Et alors, il est dans sa douche. On croirait qu'il est dans sa douche. Là, il est pas trop loin de sa porte. Pour peu que quelqu'un vienne le percuter et lui péter sa tête, c'est risqué. Moi, ferais-toi, Alex, je m'avancerai un peu plus pour pas prendre un coup de porte. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir qu'il a organisé un petit concours sur cette vidéo, bien évidemment truqué. Sa spécialité, lui, c'est les œufs qu'il a trouvés dans les poubelles qu'il fait gagner. Voilà, 2, 3, 4. Donc du coup, vous observez qu'il est en train de tout poser. Là, il est en train de meubler pour faire créer une sorte de suspense. Vous doutez bien que, évidemment, c'est truqué. Là, il a déjà le papier dans sa main gauche. Voilà, il a déjà le papier, il connaît déjà le gagnant. Là, il fait du blabla. Il est en train de tirer au sort, les amis. Et voilà, donc du coup, là, il fait genre, toc, voilà, il va remuer. Il ouvre sa boîte de chocolat vide, où il a mis, bien évidemment, des papiers vides. Voilà, enfin bon. Voilà, donc là, immeuble encore, immeuble coco, immeuble, voilà, donc il aime bien qu'on l'appelle, comment il s'appelle, Daryl dans Walking Dead, excusez-moi, mais bon, il ressemble pas du tout à Daryl, enfin, peut-être à Daryl de loin, je sais pas, enfin bref, voilà, là, donc là, il a trouvé un gagnant, et vous allez voir, je vous le donne en mille, c'est qui les gagnants? C'est encore toujours les mêmes, ses amis. Voilà, donc du coup, ils ont gagné un lot de Emmaüs, ou qui sort des poubelles.
tout compte fait, bah, de toute façon, eux, ils trouvent aussi des trucs en vide grenier. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On sait pas. En tout cas, vous allez voir, c'est les addicts du vide grenier qui sont tirés au sort sur cette vidéo. Regardez, et en plus, il dit qu'il est trop content. Enfin, bref, moi, je fais des vidéos à 6h30. Voilà, je suis un peu fatigué. Peu importe si vous me croyez ou pas. Parce que j'ai peut-être enregistré la veille, j'en ai peut-être fait 10, 15, 20. Ouais, les amis, désolé, j'en profite de manger un petit croissant là-bas. Là, je vous montrais mon entrée. Là, c'est où je bosse sur mon ordi. Là, c'est mon escalier qui mène à mon bureau. Là, c'est ce que je suis en train de travailler. Là, je voilà, ça, c'est ma moquette. Regardez-moi cette moquette. C'est ma femme de ménage. Femme de ménage tous les jours, là, qui passe. Je fais le ménage dans ma cuisine. Voilà, donc là. Je l'ai filmé parce que je la suis quand même, j'espionne mes employés. Ah, c'est ma caméra nocturne. Et voilà, les amis. Voilà, c'est une petite caméra nocturne. C'est pas mal. Ah, c'était ma petite déco pendant les fêtes de Noël. Voilà, bon, apprécier quand même ma cuisine, là, mon salon, mon écran avec lequel je joue avec la PS5. Quand je vous fais les petits lives, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes bien contents de voir cette petite vidéo de mes 6h30 du matin. Là, c'est mon vélo de sport. Voilà, mon sol, c'est un peu crado, hein, dédicace à toi, Alex. Car là, je refais, c'est travail d'artiste. Voilà, mon évier, voilà, ça fait ma femme de ménage, ça surveille. Voilà, donc là, je sais pas ce qu'elle fait. Bon, bah, voilà, les amis. Enfin voilà quoi, voilà les amis, donc là on va se retrouver, je vais vous présenter une autre youtubeuse, donc elle s'appelle La Traqueuse 7, avant c'était La Traqueuse, elle a décidé de mettre un 7, parce que CR7 c'est déjà utilisé, et elle veut pas avoir de problème avec Cristiano Ronaldo, voilà, enfin bref, hein, La Traqueuse 7, sa spécialité c'est faire des lives, parler, blablater, dire des mots du genre on va pas se mentir, nice, cool, c'est kitsch, enfin des mots de jeunes quoi. Et surtout son point faible c'est les pimps. Elle adore les pimps. Elle mange beaucoup de pimps. C'est une consommatrice de pimps absolue. Voilà, donc là normalement elle a une résolution apparemment, hein, ce qu'elle dit à ses internautes, c'est que elle arrête les pimps après 4 heures. Voilà, bon. Donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà, elle fait des petits lives, jeux vidéo, et on va pas se mentir, voilà, tiens, je reprends ta phrase. Enfin bref, voilà, donc moi je fais des petites vidéos à 6h30 du matin, c'est à noter, je préfère encore vous le préciser, c'est super, là j'ai mal aux yeux, je suis désolé, je crois que je suis en train de m'endormir en direct, ou pas, parce que si j'ai fait des vidéos avant, enfin vous le savez pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon problème. J'ai trois doigts, enfin bref. Donc là, on va passer à un autre youtubeur, lui, c'est Retro Paradise Gaming. Ok, bah c'était un peu long à dire, donc il s'est dit que pour qu'on le retrouve mieux dans les dans la liste de recherche YouTube, il a décidé de se faire appeler RPV. Voilà, RPV, donc lui, c'est le bodybuildé de la série. Pas un pet de travers, toujours bien coiffé. Rien à redire, caméra sur les pecs, exprès pour qu'on le voit, enfin... Il a tout compris, ce petit jeune. Il fonctionne plutôt bien. Il a plus d'abonnés que moi en plus. Donc, j'aurais peut-être un peu fermé ma gueule. Enfin bref, je vais le dépasser. Ça, c'est pas un problème parce que lui, il fait pas des vidéos à 6h30 du matin. Voilà. Donc voilà, si vous aimez la beau gosse attitude, allez sur sa chaîne. Hein. Ben, en fait, ça marche que grâce à ça. Hein. On va pas se voiler la face. Voilà, donc là, là par exemple, là, ben, lui, il fait pas mal de petites choses. Hein. Présentation à ça, tuto, il pompe pas mal sur tout le monde. Voilà, il fait bientôt, il va nous faire des abdos fessiers, il va nous faire des cours de fitness. Je sais pas, on verra hein, quand le vent du gaming tournera pour lui. Peut-être qu'il décidera d'aller sur d'autres cieux. Et du moment qu'il se lève pas à 6h30 du matin pour faire des vidéos pour vous en live, enfin, différé live, enfin, on sait pas trop, enfin, vous le direz pas. Voilà. Enfin, avec le croissant et le café, important, c'est toujours agréable de regarder mes petites vidéos. Enfin, bon. Donc voilà, c'était Retro Paradise Gaming, les amis. Bon.
Et ben, et puis là, je vais finir avec un autre youtubeur, bah allez, on sait pas ce qu'il fout là, hein, 91 abonnés, non, 97, pardon, je me suis trompé. C'est pas terrible, hein, mais il fait n'importe quoi, il fait des parodies, il fait des présentations de jeux vidéo, il a toujours pas de chaîne d'intro, il s'appelait GamerZ, comme zéro, voilà, GamerZ, zéro. Zéro, mon ami. Et un zéro. Enfin bref, un gamer Z, il supporte ON, donc ça peut être un zéro. Voilà, ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur sa scène? C'est pas terrible. De toute façon, il évoluera jamais, le gars. Franchement, tout est mal fait. Il est petit, comme ça, carré, rond. Enfin bref, il est nul. Voilà, donc c'était un dernier petit bilan, les amis. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis à demain à 6h30 en différé ou en direct, c'est vous qui voyez. Et en attendant, prenez un petit café, un croissant, et moi je vais peut-être aller me coucher ou pas. C'est selon. Voilà les amis, je vous aime. Bisous bisous.